Malheur ou épreuve de la vie, un simple mot, mais qui suscite d'indescriptibles méditations et d'innombrables questionnements. Bédan, qui que tu sois dans la vie, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, vieux ou enfant, seul Dieu peut définir pour toi la vie que tu mèneras sur la terre des humains. Ton chemin est tracé et à ta naissance tu l'empruntes. Tout est écrit. Quand vient l'heure pour toi d'être heureux, tes efforts quotidiens te mèneront sans titubeur vers ton bonheur et te voici à ton aise, riche et bienheureux homme à l'abri du besoin. Dois-tu désormais mépriser ton prochain? Dois-tu brimer celui qui, aujourd'hui, est comme tu étais hier? Vas-tu commettre des abominations? Et si un malheur survient dans ton bonheur, que pourra être ton futur, te le demandes-tu? Bédant. Et si la richesse ne t'est pas destinée? Si l'aisance n'est pas à toi, que feras-tu de ton existence? Voudras-tu tout abandonner et t'ôter la vie? Mais avant, comment sauras-tu que tu es né pour souffrir à vie? La vie est insondable. Quels que soient les efforts fournis quotidiennement, quelle que soit la misère dans laquelle on se trouve, quel que soit le bonheur qu'on vit, nul ne peut savoir avec précision quel visage prendra le jour suivant. Bédant. Ce film que vous allez suivre est une fiction inspirée de faits réels. Une fiction béninoise, pensée et produite au Bénin par la compagnie de théâtre de cinéma du Bénin, Semako Wobaro. Bédan, préparez-vous à rentrer dans un univers trouble et d'interrogations. À vos yeux, à vos oreilles, à votre tête, à votre concentration. Prêt, partons. Que des choses auraient changé. Merci. Non, merci. C'est très bien. Vous êtes gentil. Oh là là. Moi, je me suis déjà donné au monde. Non, donne-toi la vie. Je peux me faire tout ce qu'il veut. Oui, oui, oh. Oui. Confie-toi seulement à lui. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai des villas, j'ai des émigrants en pagaille. C'est vrai? Oui, justement. Ah. Je m'en vais prendre ma moto et ma voiture au lavage comme ça. J'ai ça. Oui. Maintenant. C'est avec la patience que j'ai réalisé tout ça. Ah, mais tu sais que la patience a toujours sa limite. Justement, la patience a ses limites. Mais il faut toujours se patienter.
les pauvres 10 enfants dans son côté, mon ami. Ah, tu non, je connais pas ça. Oh, tonton, vous êtes gentil, quoi. Hein? Donc, comment t'appelles déjà? C'est moi, éléphant. Éléphant. Éléphant, oui. Oh là là. C'est mon nom, ça. C'est bien, c'est bien. Tu sais, on aura le temps de se reconnaître. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais t'inviter. Mais je vous remercie beaucoup pour les conseils que vous m'avez donnés ce matin. Applique ça, mon ami. Je vais appliquer. Tu verras la vie sur son vrai chemin, sur son vrai visage. Je te dis, j'avais souffri à Cotonou ici, là. C'est la patience que tu as. C'est la patience. Dieu sait faire ces choses. Hein? Ne te décourage pas. Non, de toute la façon, je mange quand même. Oui, tu manges à ta faim et tu bois à ta soif. C'est déjà l'essentiel. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est pas grave. Ça ira. Hein? Merci, tonton. Merci. Oui. Tiens. Hein? Garde ça. On a le temps de se connaître. Oui. Bon, tout à l'heure. Hein? S'il vous plaît, tonton. Tonton. Venez. Éléphant, tu as oublié quelque chose. Mais ça c'est 100 francs, ça. C'est 100 francs. On prend 100 francs pour quitter l'étoile là ici. Non, c'est pas l'étoile. Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes en quelle date? Je dormais, excusez-moi. Eh oh, je dis, nous sommes en quelle date? Il est sorti pour chercher de l'argent. Qu'est-ce que je vous ai dit la fois passée? Que chaque deux du mois, chaque deux de chaque mois, de payer mon argent, c'est ce que je vous ai dit, non? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Non, aujourd'hui, c'est vrai ça. Il faut nous excuser. Il va arriver ce soir, je vais lui en parler. Jamais aujourd'hui, pas de pardon. Je ne veux plus vous excuser. Non, trop, c'est trop. Bonne arrivée, papa. Il passera vous voir là. Je dis bonne arrivée. Bonne arrivée, hein. Bonsoir. Mon agent est avec toi. C'est chez mon mari ici. Hein? Madame. C'est la femme de l'éléphant, ça? Oui, c'est ça. Oui, je suis sa femme. Tu n'es pas vrai. Comment un semi-diamant peut épouser une belle femme comme ça? Mais elle est toujours sa femme. Comment elle est toujours sa femme? J'ai toujours été sa femme. Oui, c'est moi sa femme. Et vous n'arrivez pas à payer 2200 francs chaque mois. Vous n'arrivez pas à payer. Et regarde comment toi, tu t'es entretenu. Il va payer, c'est la situation. Mais ce n'est pas vrai. Quelle situation? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il fallait demander le prix avant de... L'imbécile me dit qu'il va demander 300 francs. Lorsque tu n'as pas demandé le prix avant de demander... Ah non, non, c'est pas ça. Arrêtez. Dites à votre fils que nous bibéwen nous koumi attaqué. Maintenant, je suis venu en petit. Dès que je passerai en grand, ce qui va se passer ici ne serait plus en petit. Sourou. Mais toi, tu te trompes. Hein? Tu te trompes, hein, madame. Vous vous trompez. Moi, je vous dis encore que vous vous trompez. Moi, je suis capable. Je suis capable, hein. Je suis capable quand même. Mais tu te trompes. Te trompes-toi avant demain matin. Lève-toi. C'est la situation, hein. Sinon, je ne peux pas dire ça. Tu veux où là? On est là. Voilà, on va arriver. Pourquoi vous pleurez? Oh. Mais je suis vivant. Le propriétaire est arrivé ici tout à l'heure. Ce qu'il a dit là, tu ne peux pas entendre ça avec tes oreilles. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit?
Comme toi, tu es ici en train de me taquiner. Il a dit qu'il va arracher ta femme. Mais ta femme est très très belle. Mais c'est pas toi. Il a tout avancé, viens-moi. On n'a plus rien dedans. Maou, on n'a plus rien dedans. Ah, oh, éléphant. Ah, oh, mon enfant. Éléphant. Maman, tu sais. S'il plaît, ton Seigneur. Attends, maman. Hein? Je veux qu'aujourd'hui. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Hein? Je veux que tu me dises ce qui se passe. Depuis que je suis né, je n'ai jamais compté 100 000 francs. 100 000 francs pour Ben Chepon, je n'ai jamais compté ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Éléphant. Si c'est moi qui t'ai mis vraiment au monde, hein? Ça va changer. Ne pleure pas, mon fils. Ça va changer. Dieu, même si c'est ta volonté, il faut améliorer ça un peu. C'est trop dur. C'est trop dur pour moi. Chérie, ça va aller. Ça va aller. Qui est tombé sur mon animation? Ça va? Et les enfants? J'espère que tout va bien à la maison. C'est ça. Tu voulais me voir. La journée à mon mythe. On te garde un peu à la zone. Ah, son, on a Regarde. On ne peut plus rester au village. Pourquoi, dis-moi? On ne peut plus vivre là-bas. Mon enfant souffre, hein, mon frère. Éléphant souffre. Éléphant? Mais il est où? Il est où? Il est où? Éléphant, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette mine là? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, venez. Venez où? Il faut parler, qu'est-ce que tu as? Toi, tu peux prendre ça. Toi, tu es payé pour ça? Non, j'ai demandé si tu peux lancer. Toi, tu es payé pour ça? Tu veux travailler ou bien tu veux pas travailler? On se demande maintenant, nous le faisons ça. Tu veux travailler ou bien tu veux pas? Qu'est-ce que tu as? Ça veut dire quoi ça? Mais non, tiens, on se met dans le monde. Qu'est-ce que tu as? Oh, papa. Qu'est-ce que tu as? C'est que. Mais encore quoi, Pélina quoi? Quoi? Maman était? Mais encore quoi, Pélina quoi? C'est quoi, oui? Quoi, les mignons souillons? C'est petit. Il faut ajouter un peu. Tu es malade, ça, papa, chez toi? Comment? Sur la trentaine, là, c'est toi seul qui te demande. Papa. Mais d'abord, la fille. Papa, non, non. Mais il y a un coup à dire. On va bien faire une autre souhait. Mais toi, tu as un peu de temps. Tu es quoi? 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 Tu es quoi?
Nous, on va jeunesse, mais voici. Parce que tu as un coup, si tu as un coup, tu as un coup. Ah, tu as un coup. Bon, tu as un coup. 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 Tu as Ma pia, Tetil ma kemet, yon a son kailon we. Chobon, a ya fon, wano a fiyo, na son kailon we a diwe deme. A ta konon yon, banale, ekon jè kome ha, ekpe, yon wakoun, la sa fom lo ekpe tokwe ha, yon wakoun ou ne yane, ekepon e la kwa duko, a ta konon yon, a jan we a sa te mwen, a a ete vi ton nopo, a he, baba, nukou si nopo, Ah hein, au chelou, moi là devant, coco, à l'amour, là où est mitonné, amour, mettre pour oui, coco maintenant, coco, comme aller le courant demi, coco, titi, titi, à quinze, à dix et le blanc soit fini, pas le remis de l'air, mais la con, tu as ma congé, et c'est la première, c'est pas mani pour, oui, oui, à dire, oui. Éléphant, ah. Quand on parle du lot, voici que. Oui, comment ça va? Ça va. Mais, et tu es. Tout froissé comme ça, là? Oui, je viens du chantier. Ah, tu viens du chantier? Oui. Ah, bon. Donc, comment ça va? Oui, ça va. Et la maison? Oui, ça va. Et mes frères et sœurs? Vraiment, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Oh, c'est le temps qui me manque. Tantôt, Zemidjan, tantôt, c'est passé par là. C'est ça. Ce qui me dit que tu n'avais pas fini la mécanique, comme l'a dit ta maman. Il n'a pas vous un savez, métier fixe. Ça ne marche pas du tout. Éléphant. Et des fois, oncle, oui? je pose la question à ma mère. Hein? Mais comment je suis né? Tu es né comme tout autre enfant. Comme tout autre enfant. Là où je suis, je ne peux... C'est que moi, je n'ai jamais mangé 800 francs. Une soit 200 francs. Le jouet te naissait, c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Tu es né comme tout autre enfant. Maintenant, sans problème. Il est né sans problème. Tu sais que je n'ai pas vu mon père. Je n'ai jamais vu mon père. Oui. Ton papa est mort dans les problèmes de famille. C'est problème de terrain, de famille, patati patati. C'est ça qui a tué ton père. Maintenant, ne laissons ce côté-là. C'est peut-être ça qui suit mon enfant non, maintenant. Non, grand sœur. C'est peut-être ça. Non, grand sœur, ça va aller. Maintenant, éléphant, je te fais cette proposition. Sinon, une suggestion. Et moi, j'ai fait mon chemin. Là où je suis, je ne me plains pas trop. Je te fais cette proposition. Tu sais, moi, j'ai eu à faire les bancs avec un monsieur qui n'a pas fait long banc. Parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus et il a coupé les bancs et il a commencé la mécanique comme tu l'avais fait à Bomé. Mais aujourd'hui, il est un grand patron, un garagiste. Si tu vois là où il travaille, mais tu ne sauras même pas que c'est les apprentis et le patron. Il paie ses apprentis. Quand tu travailles, quand tu es respectueux là, par jour là, tu as ton prime. Oui. Et il est devant ma maison, tout juste face à ma maison là. La maison inachevée qui est face à ma maison. C'est là. Maintenant, moi je prends l'engagement avec tous ceux qui vont faire comme cérémonie de Ogun, quelque chose là. Demain tu viens, j'achète tout ce qu'on va faire. Et tu commences là. Si tu es respectueux, même la semaine, tu peux rentrer avec 10 000 facilement. C'est pas vrai, oncle. Je te le confirme. C'est mon ami, on a fait les bancs ensemble. Et dès que tu vas quitter ici tout de suite là,
Mais le lui en parler. Il ne peut pas me dire non. Ça veut dire qu'en faisant ma perfection, là, je gagne de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Et au bout de 2 ans ou plus, là, tu as ton gagne, tu as ton diplôme. Et avec ça même, je peux t'aider. Aujourd'hui, avec ce qui prévaut, tu vois, nous avons la chambre des artisans, la chambre des métiers, oui, oui, tout ça là aujourd'hui. Et tant que tu as été un peu à l'école, tu vas passer le CQP. Et tu seras engagé dans, même au garage central. Donc c'est ça ma suggestion. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Là où je travaille sur les chantiers, on vient de me renvoyer comme ça. Hein? On vient de me renvoyer. Encore. C'est pas grave, on prend le rendez-vous. Demain matin au plus à 7h, tu me rejoins à la maison. Je serai là. Mon fils, l'heure a sonné. Grand sœur. S'il plaît, au Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas partir comme ça, grand sœur. Oncle, non, oncle. Oui. Mais tu n'as pas besoin. Tu fais quelque chose. Et là, ça va. Merci beaucoup. Ça va motiver, quoi. Ok. Oui. Merci beaucoup. Donc, mon frère. Bon, je te donne ça. Là, tu prends Zem. Tu prends Zem demain matin et tu me rejoins. Ah, oncle. En plus, à 7 heures. Merci beaucoup. En plus, à 7 heures. Merci beaucoup. Mais ne déchire pas surtout mon fils. Jamais, jamais. D'accord. Je serai là à 5 heures du matin même. Aussi vite, tu la héros. On enlève Yonaka. Il n'y a pas de problème. Tu t'es déjà dit, hein, tu respectes toutes les lois et le tout est joué. Tu seras notre ami. Mais garde à toi, on l'a déjà dit, il n'y a pas de petit patron. Quand on te voit et on me voit, on sent qu'il y a une large différence. Mais ce n'est pas une raison pour que tu ne respectes pas tes patrons ici. Je me suis fait clair. Hein? Sinon, c'est au dehors. D'abord, je te bastonne comme cela se doit. Ah oui? Je te bastonne. Je l'ai déjà dit. Tu fais moins d'erreurs, je te bastonne et tu es viré définitivement. C'est que mon grand frère, il a fait de grandes études. Oui. Et il a trouvé bourse. Oui. Il doit aller en Europe. Ah, je comprends. Tu veux que je la fasse sauter. Qu'il allait à l'Europe sans prendre l'avion. Voilà. Mais tu parlais me dire ça. Ça, c'est notre boulot ici. Les gens lui ont arraché la bourse, quoi. Maintenant, lui-même, là, oui. On a couru pour trouver de l'argent. Vous savez, billets d'avion, là. C'est très cher. Ça fait Paris. Ça fait 900 000. Voilà, donc, c'est trop. Les gens ne savent pas. Au lieu de passer de mes vies, de vivre mes voies, là. Même Londres. Même Inde. Vous faites ça. Il suffit de donner l'argent. Le cas de l'argent de bien là. Vous êtes sûr que c'est le cas? Il veut aller et retour, bien. Aller seul. Aller et retour, c'est difficile. Mais aller là, c'est bon. Vous voyez dedans. C'est un cross. Ou bien il est gros, ou bien il est lisse. Il est élancé. Au moins combien de kilos comme ça? Non. Il doit avoir au moins 120 kilos.
120 kilos. Ah bon? Ouais. 120 kilos, mais ça va pas. Ça va être très doux. Pardonnez, grand petit jeune, je n'en ai pas. Ah ben, t'es là. Je n'en ai pas. Je sais que s'il va là-bas, il ne va pas m'oublier. Donc, il ne va pas vous oublier. 200 000. 200 000. Oui, amène 200 000. Qui va aller? Qui va aller là-bas? Il s'appelle comment? Ton frère, là, oui. Mon frère? Oui. Il s'appelle ton ancien. Dodo. Ton ancien. Attends. Serré, côté fier, il faut bien serrer ça. Tu es monté ou bien? Serre ça, je te dis! Oh! Tu me dis s'il faut démonter ou pas. Léon, et l'on serré le bon Léon. Hein? Viens te mettre ici. Oh! Hey, je ne veux pas parler ce matin. Je te dis de te mettre là. Et serre-moi ça. Oh! Tu as déjà fini? Oui. Eh, montre-moi ça. Montre-moi ça, je te dis. Allez, il faut monter. Allez, vas-y. C'est comme ça. Oui, non, non, non. Tu as déjà serré ça. Ah, donc il faut mettre ça seulement. Et quand tu fais comme ça, et puis c'est fini. Lorsque... Tu ne peux plus visser. Visse. Non, non, lorsque j'étais dans l'autre garage, on ne visse pas, on laisse ça comme ça. Ah, ah. Toi aussi grand comme ça, comment ça veut dire quoi? Ça, regarde le grand là. Qui c'est mon bravo? Ah, et mais pourquoi tu cries sur moi? C'est quoi? Mais c'est ton patron, hein? La fois passée, vous m'avez demandé de serrer. J'ai serré jusqu'à casser. Mais bon, il est sur le lait, il me semble. Mais il faut serrer. Mais tu as dit que tu as déjà pris ça quelque part. Mais essaye de réparer ça. Mais ça veut dire quoi? Ah, moi, je vais serrer. Mais lorsque ça va casser, là, ne crie pas sur moi encore. Hein. Ah. Histoire de serrer là. Tu comprends? Tu ne sais pas. Ça y est, c'est fait. Vous voulez. Depuis. Ah. Hein? Il clé, vous serrer. Est-ce qu'il a pu serrer ça maintenant? Il n'a pas bien serré ça. Oh, Lolo, toi, il faut prendre ça. Si tu me serres ça. Ça fait tant pis pour toi, hein. Toi si grand comme ça, tu n'as même pas honte. Et on appelle ça en français quoi? Noix de palme. Noix de palme. Il va casser ça. Vite. Et manger ça. Jusqu'à bébé nakba. Tout en haut. Tout en nakba. Et en fait, va y être là. Et il tient ses vrais os. Sous ses bras. Même ses chaussures, tout ça. Quand il va mettre la dernière. À mon placo, qui est venu avec une grande puissance. Suite à Leila,
il y a quelque chose derrière toi. Et c'est des esprits mauvais. Comme les esprits mauvais ne peuvent pas intégrer dans ma chambre là, ils sont à l'écart. Mais c'est un doué. Assez. Ça. Maman, c'est quelque chose de très dur. Moi, c'est si venu ici acheter, fait gâter. J'ai mené ça en Israël, là, moi, c'est moi, fait gâter, là. Ils ont pesé ça, là, ils ont pesé ça, donné zéro. Ils ont dit ça, c'est bêtise. C'est quoi? Moi, j'ai pesé ici, c'est. Ah. Ils ont dit ça, c'est fétiche. Oh, vous tenez où? Moi, Wallahi, oula. Mais ma fille, Où est toi? Un sambio, ça vaut donc? C'est pas vrai. Toi, regarde-moi ici. C'est qui parmi ceux-là? Est-ce que tu peux les reconnaître? Qui t'a vendu ça? Cinq personnes m'ont vendu ça ici. C'est. Ils m'ont vendu ça ici. C'est. Moi, ils ont pesé ça. Faut regarder les gens. Il faut les regarder là. Il faut les regarder tous. C'est qui parmi eux? Cinq personnes. Moi, je ne connais pas. Cinq personnes. C'est ici, j'ai accepté. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, tu veux ton argent? Moi, c'est où l'argent? Tu veux ton argent? C'est combien? 2000. C'est mieux, hein? Ah. Vous m'allez comme vous tout à son coup. Ils ont pété ça, fatigué. Maman, mais les bains, les faux d'être. Vous-même, vous voyez les choses comme ça, il ne faut pas ça, là, c'est fétiche. Moi, je ne connais pas fétiche. C'est grand fétiche. Moi, je ne connais pas fétiche. C'est grand fétiche. Tu as dit que tu as mené pour peser maintenant, ça donne toujours zéro. Ça donne zéro. Ça ne peut pas donner quelque chose. Moi, je suis Wenny, j'ai dit, je vais acheter. Fait gâter, batterie gâtée, je vais acheter. Uh-huh. Ils ont dit, il y a fait gâter. Moi, j'ai donné l'argent, c'est un peu si. Mais, le problème est très simple. Hein? José, c'est très simple. Il te faut 2000, c'est ça? Oui. Tiens les 2000. Garage, tu as organisé. C'est fini? C'est fini, non? Prends ici, ben pour moi. Voilà. Mais ça goûte. Ça, c'est pas vrai. Il faut enlever ça, là, moi, je vais partir. Il faut enlever ça. Moi, je vais partir. Ils ont dit ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais ça se voit au mieux. Ça c'est pas sérieux. Regarde tout ça. Hein? Qui a vendu ça? C'est ce que j'ai demandé. Hein? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Maintenant, je suis prêt à vous renvoyer tous. Mais c'est pas bon de m'attendre. Ils n'ont pas m'attendre à moi. Je vais régler ça tout de suite. Ça veut dire quoi ça? Et ça, bon, ça atelier. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Mais tout, il n'y a rien. Il y a rien.
Vous me prenez comme qui? Ça veut dire quoi? Un tour dans le monde. Mais brise, c'est 4 coups, c'est 4 coups. Tout le monde, c'est 4 coups. Et garabou si vous ratez. 100 coups, 100 coups. 100 coups, 100 coups. Garabou si vous ratez. Je vous le dis. Garabou, si tout ça, c'est un point. Nous, nous sommes les carrément du joueur. Ah, bon, mais gars, on continue à une provocation. Pour nous, ça, c'est pas du tout. Hein? Maman, donnez-le. Pourquoi est-ce que vous avez dit? Vous avez dit? C'est ça. Moi ça, patron. C'est ça. Patron, mais ça coûte. Patron, mon donna. Mais j'ai constaté que ça, c'est 4 coups. Ça, c'est 4 coups. Allez, allez, faut le donner. Ça, c'est vrai. Ya! Ya, oublie-moi. Aidez-moi, bien-fille. C'est ton fils, c'est ton fils. Eh, ça, c'est attention, hein. Mais ouais, ça a coûté, là. Patron, maman, tu n'as pas oublié. C'est, mais ouais, ça a coûté. Patron, maman, tu n'as pas oublié. Alors, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas bon. Et le mis à coûté, vous avez vendu la télé comme ça. C'est vrai. Vous voyez, vous savez quoi? Et ça, c'est le mis à télé. Ouais, ça veut dire quoi? Je suis à votre merci ici, vous croyez? Tiens, tiens, ouais, ben voilà. Ça, c'est quoi, ça? Tu mets les dos, asso, et le tour. Il faut tout à l'heure. Oui, il faut le laisser. Il y a asso, il y a ton laisser. Mais là, ça a beau tout. Et ça, c'est. Attention, hein. Mais c'est quoi pour vous? Donne ça vite. Non, mais il n'y a rien de pas. Voilà, mais c'est quoi ça? Hein? Tu n'as pas de roue, mais ouais, ça. Patron. Mais oui, mais ça. Et dis-moi la vérité. Si tu ne veux pas dire la vérité, je vais te bastonner. Allez, donne-moi la main. Patron. Mais t'as robio éléphant. Mais t'as robio robio éléphant. Éléphant. Voilà, justement. Eh, ouais, y'a bien. Eh, jeune homme, bien. Dépose le truc là. C'est vrai. S'il a dit ça, c'est. Il a dit la vérité. Effectivement, parce que ce type là, il est vraiment suspect. Tout à l'heure, quand j'étais ici, hein. Et on se parlait là. Oui. On parlait de la situation de ta femme, tout ça. Eh, Zeno Dai, il m'a parlé. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? Non, c'est pour ma femme. Attends, un à un, ça, c'est quoi? C'est pour ma femme, j'ai saisi. Parce que? Je l'ai pris en otage. Ça là? Comment? Oui. Tu as saisi. C'est une femme, elle est tellement impolie. Ça fait plus de 2 mois que j'ai saisi ça. On y peut pas nous y aller. On joue dans la vodo. Bon, quoi saisi, vodo. Et ça, et ça. Et ça là. Les deux là. C'est pour ma mère. C'est pour ta mère. Tu as saisi ça aussi. C'est pour toi. Tu sais, ton type là, redresse-toi, redresse-toi. Donne-nous le pouvoir. Faut cambier avec lui. Oui, parce que tout à l'heure, il m'a appelé. Il a dit que tu es très mauvais, que tu es un patron très dangereux. Tu es coureur de jupons, tout ce qu'il faut. Tu m'as dit ça tout à l'heure, non? Lève, laisse les trucs. Donne-moi le papa. Eh oh non, attends. Madame, alors, gros, vous nous avez. Attends d'abord. Lui, on ne peut pas le frapper. Ce que vous avez demandé, c'est simple loi bois. Ce que vous avez demandé, c'est simple loi bois. C'est comme loi bois. Il y a toujours marais derrière vous. À cause d'un serpent de reine, reine d'Amiton, le Yotouin. Le noir cambio de Dieu, et tu as vu tout le temps à Canodo, et ma soumère, et quand il y a et pas qu'il vit d'Ahoao, et quand il vit Podé. Amour, quand on cambole, et de l'amour, boum. Alors, grand prêtre. Tu as tout dit. C'est un garçon alors? Oui, c'est un garçon. Enfant? Mmh. Enfant, première fois ou bien Benjamin? Il est l'unique. Enfant l'unique. Mmh. Et tu l'adores? Oui. Viens, ta mère quand tu dis, l'enfant, ton enfant dont tu viens te consulter là, il est dans le chômage actuellement. Oui, aïe. On dirait que vous dormez dans ma chambre. Non, c'est pas moi. C'est ça qui parle. Et quand il est dans le chômage maintenant, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Et cet secret ne peut pas sortir sans lui. Il doit être là. Vous devez l'amener ici. Moi-même, je vais l'expliquer ça. D'accord. Ça n'a pas besoin d'acheter des moutons, d'acheter des coques, d'acheter du rien. Une petite erreur. Erreur grave.
Et lui-même va arriver ici, je vais lui dire ça. En flagrant délit, Nandoni. Nous voyons le bétrayant, Nandoni, beaucoup de cacao. Et à zéro à d'abord, c'est à cause de moi. C'est à cause de toi. N'ayez pas peur. Vous trouverez la solution. Avec moi, avec Faïdiki, vous trouverez la satisfaction. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Merci, grand. Amène-moi là. D'accord. Amène-moi là. Je vais le chercher. Il n'y a pas de problème. C'est très dangereux. Vous voyez, nous ne sommes pas le lien. Nous ne disons, court à vous, pour d'agro, pour un support. Un support. Et nous pouvons, il est bouton. Bon, alors, je suis en train de faire ma formation. Je suis en formation. Donc, alors, je suis stagé ici. Il y a pas de Jojo, par la soirée là. Qu'est-ce que tu me dis par là? Qui est patron ici? Si c'est pas. Mais voyez, patron de fils, je te demande. Je m'en fous. Si c'est pas, si c'est pas à cause de la misère. Moi, je suis le patron depuis avant que tu as commencé à prendre les. Voilà, c'est ça. Mets-toi à genoux, Wadi! Djakouli! Une fois que j'ai dit de le laisser, il faut le laisser, je vous en prie. Vous n'étiez pas là. Il y a le roi de la Noukoué, quoi. Tu te permets le vilain lui, c'est le Noukoué. Il y a le roi de la Noukoué, elle est femme, elle m'a moto. Lorsque vous m'avez remis la moto, on dirait que la moto n'a pas un état. Parce que. C'est une moto neuve. Il a posé question à l'air. Il y a un éléphant, il y a un éléphant, il y a un éléphant. Papa, comprenez-moi.
Je n'ai même pas fait 50 km. Et le biais là a commencé par sonner. Même le piston, le carter, les roulements aussi ont commencé par sonner. Et le mécanicien m'a donné le conseil de changer tout ça là. Et j'ai changé. Mais après deux jours, c'est le tour des poneys. Les poneys commencent par éclater. Bon, roule bien les gars. Caca et toi, il y a un son Hein, poulet, tu es qui, Badi? Éléphant, à tout mien! Papa! Éléphant, à tout mien! Papa! Éléphant, à tout mien! Ma moto! Papa, notez, ma moto, ou rien! Bon, je vais vous dire la vérité. De fait, tu m'as dit, Nassoua, oué! Nadia, tu peux poser un chalet, oué! Nassoué, tout qu'on fait, écoute, maintenant, on va nous faire, non, oui, mais notons, nous, y'a d'as, on va nous faire, en attendant, hein! Elle est policière, elle a roué au coulis d'or. Je vous en prie, je vais vous dire la vérité. C'est que la moto là, vous voyez, il y a 4 jours de cela. Et j'ai pris 3 clients. Et il y avait une petite fille, ils ont tapé au vieux. Voilà. Vous avez ouvert ta robe, bon sens interdit. Et j'ai ramassé la petite. Bon, et le lendemain, moi-même, je suis parti là-bas et le commissaire me demande la douane de la moto. Et je lui ai dit que la moto n'a pas... Éléphant! Papa! Ma moto! Bon, ce que je vais vous dire, je ferai tout possible pour prendre votre moto. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit. Nassoué! Elle a roué au coulis d'or! Éléphant, tout d'abord! Papa! Tu as reçu ce coup là. C'est rien. En tout cas, tu veux pas changer cette situation là. Maman, c'est rien. Où est ton fils braqueur là? Vite à Joto. Moi, mon fils. Le délinquant là. Non, il n'est pas braqueur. Tout sauf ça. Je dis, il est où? Il est sorti, il est parti. Il a trouvé un Zem là, il est parti conduire ça. Il a trouvé un Zem, il est parti conduire ça. Ça veut dire que tu es seul dans la maison. Propriétaire, je vous en prie là. Non, ce n'est pas fait de m'en prier. Où est sa femme? Bizarre là. Elle est partie au marché. Faut pas me flatter, donc ça veut dire que toi, tu es seul dans la maison. Oui, je suis seul. C'est vrai? Mmh. Allô? D'accord. Assois-toi. Madame, assois-toi. Tu fais quoi là? Je fais la lessive. Tu fais la lessive. Pour tracer et blouer à l'éloquer mes vidéos. Tu fais la lessive. Alors, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu
tu te gênes, tu te peines à cause de ce grand garçon-là. Je dois aider mon fils. Hein? C'est mon unique, je dois l'aider. Non! C'est ce que vous dites et vous gâtez les enfants, ça. À son âge, un vilain goût, un vieux père comme ça, tu lui dis, il est le unique, bon, mais non, le unique, le vilain, mais non, blé, ben, là, vous êtes délinquant, braqueur, l'air autour, mais. Hein? Madame, ce n'est pas sérieux. Hein? On y mouari, mais fille, on a de pitié, nous, hein? Hein? Ben, non, t'as pas dit, ouais. Tu te pénètes de gauche à droite, maman, ça me fait pitié. Oh, il est doux, même. Mon fils? Oui. C'est de boy, c'est la famille Zinko. Famille? Zinko. Famille Zinko, et nous, on y a tout, mais moi. Zinko, lui qui fait partie de la grande famille africaine de Boyicon, c'est lui qui renie la famille Zinko comme ça? C'est la situation. Hein? C'est la volonté de Dieu. Mais on a Kotokuni, Otomon, quand on met des appels. Il me semble que, madame, votre fils là, ton enfant, tu m'excuses le thème, mais je ne l'ai même pas excusé. Il se drogue. Éléphant? Éléphant, c'est drogue. Mon enfant? Un grandi. Éléphant à moi? Je dis, il se drogue. Il se drogue. Jamais de la vie. Même dans le quartier, on est. Hein. Je peux donner ma tête à couper. Aïe. Moi, mon fils? Madame. Parce qu'il est pauvre. Non, madame, faut pas dire ça. Hein? Madame, faut pas parce dire ça. Parce que mon enfant est pauvre. Je dis, faut pas dire ça. Hein? Hein? Il faut pas dire ça. Moi, c'est des constats que moi j'ai fait. C'est des remarques que j'ai fait. Si tu dis maintenant que tu vas donner ta tête à couper à un bandit, à un braqueur, on va couper ta tête sans faire pitié à Dieu. Jamais. Et là, Gotatou et Raoul, le monandou, pitié, nous m'avons. Jamais tu oses donner ta tête. Moi, je vais donner ma tête. Si ton fils est braqueur comme ça, il n'est pas comme ça là. Il ne peut jamais changer. Bon, des cas, ça va changer. Ça va changer. S'il plaît à Dieu. Maintenant, ce que nous allons faire, il y a un proverbe de chez nous qui dit le poulailler est un palais doré pour le coq. Et malgré la pianteur de lieu, j'ai toujours pitié pour toi, maman. Parce que, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Où est son père? 3 jours oui. Avant sa naissance, oui. Son papa est décédé. Oh. Donc, c'est mon petit frère là. La fois passée, il était venu ici. C'est mon petit frère qui m'a amené à l'hôpital. Cet enfant là. Hein? Si tu étais à sa place, il fallait voir. Depuis que son père n'est plus, donc tu es seul. Qu'est-ce que je vais encore faire? Hein? Je n'en veux personne, je suis seul avec mon unique et sa femme. Hein, normalement, tel que vous n'êtes pas vieille. Normalement, vous devez avoir un grimpeur là qui doit toujours grimper de temps en temps pour cueillir les fruits, hein? les bons fruits. Hein? Ah, oui. Ah bon? Oui. C'est un manguier ou bien? Oh non! Je vais vous montrer, mais tout à l'heure, je vais dire les coucou, les petits bois. Il y a une banane de missiles, cathéter, misère. L'homme. Moi, je vais te faire sortir de tous ces wayawaya là. Hein? Parce que j'ai pitié pour toi. Et je vais te donner un exemple. Et il y a une dame, le bon, à sous ton cou. Elle a 69 ans. Tu peux imaginer que cette dame peut avoir d'autres, un petit qui le grimpe de temps en temps. Et c'est ça qui fait que la dame, elle s'est rajeunie. Quand toi, tu es là maintenant, tu dis que je suis déjà là, seul avec mon fils unique. Non, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton fils unique qui va te grimper, qui va te rajeunir, qui va te consoler ou bien qui va te cajoler. Ah. Non, c'est ça. Je vois que c'est faux. Ah, donc, la dame dont tu parles maintenant, oui. Trouvait un petit grimpeur. Oui, attends, elle était dans le salon. Oh, mon grimpeur, au moment où elle n'avait pas trouvé le petit. Elle est faible, bon, vraiment, mais quand tu le vois, elle se... Il faut aller voir de... au but. Si je comprends bien, oui. Tu es venu pour me faire la cour. Non, comment je suis venu pour te faire la cour? Tu es déjà à Tohoho, oui. Donc, ce que je dis, tu comprends déjà. Tu n'as mais pas je besoin. Comprends, c'est pourquoi je te pose cette question. Tu es venu pour me faire la cour. Non, c'est tout juste pour te qualifier, pour dire que tu n'es pas vilaine, quoi. Madame, j'ai de l'affection pour toi. Hein? J'aimerais que tu sois ma moitié entre nous. Parce que tu sais que ton fils me doit des sommes exorbitantes, donc je ne peux pas appeler le nom quelque part.
Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Maintenant, si on pouvait se comprendre pour que c'est que Menablo échange ou quoi? À mon nous avons fait un de pour le bivouac pour. Je vais donner à comprendre mes bonnes. Je sais savoir nous connaître dire. Après, nous je à moi. Je comprends. Je zobo do million mais dit mais dit dit dit. Ah bon zobo million. Oui. C'est que je vais aider la flamme. Combien de fois toi aussi ou tout est? Oh non madame, en fait, il faut que ce... Bon, Ndewe, tu es propriétaire non? Oui, mais tu as l'air, tu peux l'air, mais tu es là. Je suis là, 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 nós não mandou tabano assim como eu me como se define é sim. Moi, je n'ai pas 69 ans comme la dame dont tu parles. Non, vous êtes veuve. Et si je suis veuve? Eh, toi, tu n'as pas la photo d'une grande personne chez toi. Hello, Boindo. Va te mirer. Et regarde-moi bien. Boindo, veuve, le gouvernement est au bilo. Quand on les doit, Boindo, elle est veuve, le gouvernement est au bilo. Tu as oublié, mais. Non, non, ce que tu dis là, madame, tu as allé trop en maison. Méfie-toi, hein. Après tout, je suis ton propriétaire. Je ne suis pas ton égal, hein. Madame, viens, assois-toi. Ah, non, continue. D'ailleurs, étends-moi. Chut. Écoute. Et nos verres. Ce n'est pas parce que. Ce n'est pas parce que y a bloué les raisons. Alors, si tu es bouffé, ou venu à genoux, fumé, non. Mais des boulots, on a tout à comprendre. Assez. Donc, laisse-moi le temps de. Hein. C'est quoi? Éléphant, mes félicitations. Mais c'est quoi mes félicitations? Papa, je vais le tuer. C'est quoi? Je vais le tuer aujourd'hui. Mes félicitations. Félicitations. Je savais certainement que tu es là. Il veut me violer. Il veut te violer. Ta il maman. Veut me violer. Ta maman, une vieille comme ça, tu sais ce qu'il. Tu sais ce qu'elle m'a dit, maman. Hey, tu il veut quoi? Me violer. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Elle a dit que. Oh! Est-ce que moi je savais que ton papa est décédé depuis des années? Moi je ne savais pas. Il va te tuer. Je veux ma mère. Je veux violer ta mère. Moi je loue comme ça. Pas bien. Non, ce n'est pas ça. Attends. À cause de combien? Écoute-moi. À cause de combien? Si tu prononces un mot maintenant, je vais arracher tes gâteaux. Écoute. Ainsi osé péliquant. Elle a flotté. Parce que ce que la vieille est en train de me dire. Maman, ce que ta maman me dit. Maman, tu es bloqué. Non. Maman, est bloqué. Maman, tu vas te taire. Maman. Mon fils, écoute-moi, mon fils. Est-ce que tu peux? Pourquoi que moi, je peux faire ça? Est-ce que tu peux? Je suis ici en train de faire la lecture. Il est arrivé. Il a dit à tout. C'est toi seul qui es dans la maison. Demandez d'après toi. C'est toi seul qui es dans la maison. Il n'y a personne ici. Tout le monde est sorti, tu es parti pour ton job. Il a dit que oui, et comme tout ça là, il vient ici pour demander de l'argent là. Il faut que si je paye à terre. Elle me disait qu'elle se sent sale dedans. Je venais la satisfaire. Oh, il me gifler là. Il me dit que. Mais gifler, bien sûr. Vous allez sortir. Il me dit, je vais vous tirer tous. Que oui, et pour m'aider, que tu vas faire la chose et qu'il va faire. Maman, ça va. Tu veux faire quelque chose? Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, fais ça. Non, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mon fils, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Si tu agis mal, après tout, je suis ton propriétaire. Et si tu agis mal, je vais prendre ta maman en otage. Je vais prendre ta maman en otage parce que ce que tu me dois, c'est. Combien? Dans son auto, le prends ton en otage. Combien il te doit? Sors de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. Ah, non, faut pas aller loin, faut pas aller là-bas. Vous m'avez tué.
Bon, tu veux me tuer aussi mon argent? C'est quoi le chien? Maman, laisse son pied, Il m'a fait longtemps qu'il est monté sur toi. Non, non. Il vient de monter à peine. Mais je ne l'ai pas laissé. Tu es sûr? Oui, je l'ai. Moi. Il veut compter sinon, sur moi. Sinon, on va rentrer au village. Eh oh, moi. Tu sais que chez nous, c'est interdit. Oui, oui. Prends ce t-shirt. Comment? Tu me connais, non? Comment tu peux dire le visage? Oui, le visage me dit quelque chose. Oui. Il me semble que tu es venu ici de temps en temps. De temps en temps? Oui. Mon frère qui devait voyager là. Oui. Sur l'Europe là. Ah, oh, je suis en France là. Uh-huh. Oui, oui, ça va. Ça il va très bien là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Depuis le matin que j'avais quitté ici, j'ai tourné à Cotonou complet. Mm-hmm. Je n'ai pas trouvé le job. Mm-hmm. Est-ce que tu vois? Je n'ai pas trouvé le job. Et cette fois-ci, j'en ai assez. J'en ai assez. Et chaque fois, c'est des problèmes. Et je ne sais pas ce qui se passe au juste. Et ce que nous allons faire, voici ma proposition. On va rentrer au village. Au village? On va rentrer au village. Et si c'est la terre que je vais cultiver, je vais commencer par cultiver la terre parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire à Cotonou maintenant. Hein? Mais les bilos Cotonou, ils ont le Cotonou, mais pourtant, c'est rien. Loyer 2200, c'est incapable de payer. Hein? J'ai fait ces médias, c'est incapable de gérer ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, et chaque fois, je te pose la question. Comment je suis né? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu me dis chaque fois que rien. Je ne connais même pas celui qui est mon père. Je ne le connais même pas. Donc, on est obligé de rentrer au village. Mon fils, on va rentrer au village. Mon fils, c'est une bonne proposition. On dit quelque chose en fond. Fille Poyo et Boudou Méon. Fille et Gosson. Nous sommes pour le Gonkoya. Là, on va rentrer au village. C'est une bonne proposition. Sinon, tôt ou tard maintenant, ce délinquant va venir enlever les toiles. Hein? Dieu fera. Maman, sincèrement. Dieu va nous aider. Hein? Il n'oublie pas les pauvres. Dieu va nous aider. Bon, il y a ce que moi je vais te proposer. J'ai accepté ta proposition. Hein? Moi, ma proposition, j'ai été voir un bokon, l'ami de ton père. Quand je dis ça, pourquoi tu dis maman? Hein? C'est tout le monde qui fait ça, non? Moi, j'ai assez de cette pauvreté. Il faut qu'on aille chez ce vieux-là. Hein? Et il va regarder ton horoscope-là, ton signe-là. Tout d'abord, qui t'a proposé ça? C'est l'ami à ton papa. Ah, attends, non. Il y a cas d'où je sais là, de cela. Il y a ma femme qui parle des choses comme ça. Je vous ai entendu. Bon, nous sommes foncières. Je vous ai entendu. La pauvre pourtant, dame. Pourtant, en quel mois la pauvre dame.
En tout cas, il faut écouter ma proposition. On ira chez lui. J'ai été une fois, il m'a dit que c'est toi-même qui dois arriver et qu'il va te parler. Il n'a qu'à regarder ton signe, il va dire ce qu'on va faire. C'est tout. Et on si, va voir. Si je comprends bien, sans m'avertir, tu as déjà consulté le... Mais que veux-tu que je fasse? Je suis ta mère. Je ne veux que ton bien. Maman. Hein? Je ne veux que ton bien. Hein? Et il a dit quoi? Le féticheur a dit quoi? Il a dit de venir toi-même, qu'il ne veut rien me dire. Que c'est toi-même qui dois arriver. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Allons, on ira. Mais il fallait lui raconter ce que c'est. Non, on ne peut... Si tu veux... Écoute-moi, tu vas là-bas, tu vas lui expliquer que les affaires ne marchent pas. Je n'ai pas de boulot. Toi là, tu n'entends pas. Si on te parle là, tu n'arrives pas à entendre. Maintenant, hein? C'est lui qui va me trouver le travail. Bon, je ne sais pas. On peut aller chez lui. Il travaille dans le ministère du Travail. Non, il ne travaille pas. Mais mystiquement là, il va te faire quelque chose. Il va te faire quelque chose, c'est vrai. Cette fois-ci, si les gens... Si c'était ce qui s'est passé il y a 8 ans de cela, il y a un monsieur qui parle de t'envoyer mes poils ou quoi là. Pauvreté, regarde. Hein? Regarde. Ouais, viens-t'en. Tu vas porter ça là. Oh! Oye! Parce que tu m'as bien entendu. On ira. Il n'y a pas de problème. On ira. Ma femme n'est pas encore là. Je crois qu'elle est là. Où est-ce qu'elle est? Yao! Si je suis venue, c'est pour vous dire que ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Ça ne va pas. Il est allé là-bas, non? Du tout pas. Mais mon frère, il est allé se retrouver sur les fils électriques de Gabon. Ça veut dire quoi? Il y a quoi? Non, attends, écoutez, frère Nkani, regarde le profil. Grand fétiche, oui? Tu m'avais dit, oui? Que mon frère devait disparaître, oui? Et aller se retrouver en France. Oui, c'est ça. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Et pourquoi il n'est plus là? J'ai l'habitude de le faire ça. Non, ça là tu as raté. Comment j'ai raté ça? Mais tu n'as pas fait. Et ce bagage? Il m'a appelé. Il n'a même pas retrouvé les bagages. Il s'est retrouvé sur le poteau électrique là-bas, au Gabon. Donc, si c'est ça, il a mal utilisé la chose. J'ai l'habitude de faire ça. Et j'ai fait ça, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. J'ai fait ça à plusieurs personnes. Comment se fait-il que si ton frère a mal utilisé la chose, j'ai dit, et les ennuis, et la faute est trop France. Mais il est trop au Gabon. C'est pas de ma faute. Et vous voyez. Mais qu'est-ce que tu veux, Si je suis venu, grand féticheur, habite Maouli Noir et notre Jodé, soit tu me donnes mes fonds, soit ils se retrouvent en France tranquillement. Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Le seul enfant unique que tu m'as donné, je vais le voir souffrir comme ça? Ou bien c'est une malédiction venue de chez ma mère? Ou de chez mon père? Ou bien c'est Adolphe, mon mari, qui a créé tout ça là avant de partir? Je sais, il a créé ça. C'est pourquoi il est vite parti. Il nous a laissé dans la souffrance. Adolphe, mais tu es parti chez Dieu, non? Tu es devant Dieu, non? On a bien dit que les morts ne sont pas morts. Adolphe, tu es mort. Tu es mort. Tu es parti sans trace. Et tu nous as laissé dans ce pétrin. La fois passée, si ce n'était pas à cause des gens, je serais déjà dans l'au-delà. Je viendrais te voir là-bas. Cette fois-ci, j'irai tout au fond de l'eau. J'irai jusqu'au milieu de l'eau. Et si jamais je viens te voir là-bas, tu as des comptes à me rendre. Je vais te gifler et que ta bouche que tu as fermée hermétiquement là, tu vas l'ouvrir et parler à Dieu. Adolphe, méfie-toi, hein. Méfie-toi, hein. Je viens là-bas, hein. Mais tu disais hier soir. J'avais dit que tu voulais me parler. Oui, je vais te parler. C'est ma mère,
C'est à propos de ma mère. Là, il a fait quelque chose. Naripe. Oh, ta maman. Ta maman. Oh, Dieu seul sait. Elle ne m'a rien fait. Voilà, c'est ma maman. Tu sais que ta mère a déconné. Ta mère a déconné. C'est pas bon. C'est pas ce que je lui ai dit ça. Hein? Notre domino est dominé et repos, mais nous sommes repos. Nous sommes arrivés pendant deux semaines. C'est à cause de ça que je suis parti voir le tontine pour lui dire que j'ai perdu ma belle-mère. Mais brusquement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, maman, tu l'as. Elle n'est pas allée au marché. Elle n'est même pas présente. Mais je vis. Elle est où? Elle n'est pas. Elle est allée au village. Elle n'est pas présente. Mais le monsieur lui a vu. Mais c'est une ressemblance. Non, elle m'a tu sais comment ça s'est passé? C'est la femme de Tontine qui est partie faire achat au marché. Et elle a vu ta mère comme ça. Oh, c'est peut-être lorsqu'elle voulait partir au village, elle voulait prendre. C'est ça. Alors que notre ami, on dirait qu'il connaît, le. Non, non, non. Ah, maman ne peut pas te faire ça. C'est pas bon. Elle a même dit de te saluer depuis le village là-bas. Maintenant, parle-moi. Parle-moi. Je voulais te parler de la situation que nous vivons ici. Là. si je te comprends bien, c'est pas. L'autre problème là, il faut me donner un peu de temps. Tu sais, comme il n'y a pas d'argent là, c'est pour cela que je mets un peu de temps dedans. Non, il n'y a pas de... Je comprends ta situation. Mmh. Tu sais, quand on a les soucis là, on n'a pas la tête à ça là. C'est pourquoi je dors souvent au salon, je te laisse... Il n'y a pas de problème. Ça va se régler. C'est ça. Bon, tu connais la dame qui vend du riz dans la troisième vente là-bas. Dans le restaurant qui est derrière ici. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, c'est tel que je suis allé voir. Oui. Je lui ai proposé de l'aider un peu, et laver la vaisselle, servir les clients, tout ça là. Elle a dit qu'elle accepte, qu'elle va m'accepter. Bon, je l'ai vu à cause de la situation que nous vivons ici. Et là, je vais t'aider un peu. Au moins, le soir, je vais ramener les nourritures de là-bas. Le soir sera garanti. Et je prends 250 francs par jour. Donc, elle m'a proposé ça. Et puis, j'ai dit que je vais t'en parler. Quoi. 100 000. Histoire de t'aider un peu. Sambini. Oui. Sambini. Oui. Moi, ma femme. Oh, tu as écouté. Attends, écoute-moi. Tu parles de la dame qui est derrière oui, ici. Oui, oui, oui. Tu sais que c'est là que tous les politiciens viennent prendre leur déjeuner. Oui. Tu sais ça? Oui, elle trouve beaucoup de clients. Là, ça va marcher. Et là-bas, ils vont commencer par te tâter. Et petit à petit, tu vas partir comme ça. Que Dieu nous... C'est ça que tu veux? Non, c'est pour t'aider, tu comprends. Mais tu me prends pour qui là? 250 francs par jour. C'est pour t'aider. Sans béni, je ne veux plus entendre ça. Il faut, c'est qu'il faut gommer ça. Dire, non, pour toi, mais, je suis prêt non, à ça tout. Dit quelque chose pour moi. De bouger là, ce matin là, est-ce qu'il a mangé? Mais il a l'habitude de prendre du café. Ah, ça finit! Oh, mon maman reste à jeu. Oh, il est lourd! C'est passé, il est lourd! Oh. Mon gris là, il ne prend pas quelque chose de lourd. Il doit être léger. Non, petit chat, il fallait nous dire ça. Ah, je ne peux pas, je suis pas tu. Mon agent. Bon, le billet d'avion là, c'est combien? Ça coûte à combien? Billet d'avion. C'est 900 000. C'est 900 000. J'ai pris combien chez toi? Mais tu as pris 200 000. Ah, mais à Joto, nous, là. Où est le problème? À Joto, mais à Joto. Mais faux, mais 200 faux. 000. Est-ce que nos vidéos sont? Destination, on est. Destination, moi, non. Moi, je veux mon argent. Destination où? Destination quoi? Moi, je vais vous dire, soit c'est mon argent, soit mon frère te retrouve là-bas. Non. Un point tiré sur aujourd'hui là-bas. Quoi? Est-ce que faux pour cette image? J'ai pas la raison. Ça, c'est la raison. Non. Elle faut, elle ne bonne soit. Je vais vous appeler. 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 Je vais
Comment? Eh oh, c'est ta boy. Ah si, il y a pas de tout.
Mais on dit que vous êtes un peu plus de temps.
Bo te bi bere yan ma ji bia na ipo bo. Wo nlo mo si wa yan tun wa e ma kan bi yo. Do ne pa cha mi o me ho le wa yan kan bi yo. E wa ndo ma ba to na. O ya ko do ere me ya. O ya ko do ere e do mo ke ngon ko. Ani ka mo so bo yo pe o. E wa su po ti. E ka ko ndi o pe lo wa de to po ti bra ji bi bo. O ko mo yin pele. E te tu la mo che. Ok, tu mi es su, tu la moche. Ok, tu es su, tu la moche. Tu mi es su, tu la moche. Tu la moche. Tu mi es su, tu la moche. D'accord? Colo, oui. Et allez, fato, yo! Et allez, fato, Asia. Je vais t'attraper avec ton bouche là, hein? Je vais t'attraper. Non, tu sais, chef,
si je viens chaque fois me reposer ici, là, oui? C'est que votre entourage ici me donne de chance. Ça veut dire que si je me repose ici, là, non, mon champ support, je trouve assez de clients. Ici, est-ce que c'est de toi? Non, Jusqu'à qui ça? Je suis un père de famille. À ce raison, nous n'avons pas de problème. Salopard. Digo que tu es. Comment? Oh Dieu! Oh Seigneur! Ne vois-tu pas notre souffrance? On fait tout pour réussir, ça ne marche pas. J'ai fait 18 ans de concubinage avec mon mari. J'ai 39 ans aujourd'hui. Et c'est à cause de l'éléphant que ma maman m'a chassé de la maison. Dieu, mon mari souffre beaucoup. Mon mari doit partout. On va jusqu'à demander à manger, acheter à crédit. Oh, que vais-je faire? Est-ce qu'il faut que je me pende? Que je me suicide? Et si je me suicide, qui va soutenir mon mari? Qui va s'occuper de mes enfants? Et de ma belle-mère qui vit avec nous. Oh Dieu, vais-je quitter mon mari pour ça? Non, non jamais. J'aime mon mari malgré tout. Mon mari aussi m'aime. La souffrance là est trop. Dieu, nous souffrons beaucoup. Et pourtant je prie, nous as-tu oubliés? Hein? N'entends-tu pas nos prières? Ou bien nous ne sommes pas aussi tes enfants? Oh Seigneur, oh, vais-je le quitter et aller chercher un autre mari? Non, je ne peux pas faire ça. Ou bien, suis-je vilaine? Oh Dieu, entends nos prières. J'ai trouvé la solution. Oui, j'ai trouvé la solution. Je vais te surprendre. Je vais me suicider. Oui, je vais me suicider. Me suicider? Et si je le fais, qui va s'occuper de mes enfants? Oh Dieu. Mais c'est pas lui. Mon pauvre fils. Yvonne. Comment ça a été fait? Très bien, Djebo. Mets-toi à genoux. Faut pas avoir peur. Ça va? Oui. Tu le connais? Non. Tu ne me connais pas. On m'appelle à Obuba Kanti. Je suis le messager de Dieu. Et des phares. Tu trouveras la satisfaction. C'est moi qui t'ai appelé. Ton maman est venue me voir ici.
Et je lui ai dit que ton cas est très pur. Tes bagages sont lourds. Alors que dans la loi, normalement, ça ne doit pas être lourd. Et je dis bien que c'est à cause d'elle. Ton mari là, elle est la base de tout. C'est pas parce qu'elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Mais elle est la base de tout ce qui se passe sur toi aujourd'hui. Mon frère, sans te mentir. Normalement, tu dois être un homme riche, élégant, très riche. Et c'est un serpent. C'est un serpent qui t'a remis dans cet état. Parce que avant que tu vas être naissancé là, ta maman a fait une promesse à ce serpent. C'est un serpent là qui t'a consumé. C'est ce serpent là qui l'a aidé. Si tu es là aujourd'hui, si tu es un homme aujourd'hui, ça cause ce serpent. Et ta maman l'a oublié. C'est pourquoi le serpent s'est fâché contre toi. Et il s'est mis la main sur tes biens. Mais aujourd'hui, là, tu es guéri. Tu vas devenir riche. Alain, lève-toi. Je dis, lève-toi. Enlève ton chemise. Enlève ça. Dépêche-toi. Je dis bien, enlève ton chemise. Polito et ma quoi? Amawa, amawa, amawa. Polito et ma quoi? Amawa, amawa. Viens ici. Amawa. Polito et ma quoi? Ama, 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 ama,
Tu es déjà guéri. Le bon mais le gosse est prêt pour homme. Le bien payé homme. On doit faire nous un roi de nous. Voilà, nous t'as mis ton. Et va tiens le bête au dîner vient. Maman ça a une maintenant nos belles mères. Dans la vie de le fier. Et ma il doit quoi le position. Dans mon fils d'hier il doit quoi si tu es un homme. Il faut la voir si tu es là. C'est moi-même qui a fait ça avec ma propre fond. Parce que tu es malheureux. Dans le moment de la proposition, nous avons déjà commis. Nous avons un problème. Dans le cas de Dieu, nous avons dit que 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 nous avons de adoleyo era be rapel dara be rapel to win akona pogudo ana yi elephant jendia e mo ya do elephant de te elephant mi don jendia ayi aya ni si ayi a je free bo to akona hawe akona wa amundo kukati le enanu me onu e na du ha me e no na me mi ana yondo poi dan de ble na yondo poi ti aja marié no. Une femme, le serpent va te donner encore une femme, encore une autre femme. Et ça fera deux femmes. Ça ne dépassera pas les deux. Mais, il y a un problème. Très, très sincère. Très, très. Il y a un mais là. Que les deux femmes vont déconner. Même heure, même jour. Très très fort. Les deux femmes vont t'offenser. Très fort. Et ça va blesser ton cœur. Très dur. Même jour, même heure. Tu ne dois pas chasser. Dans la loi, tu dois chasser une d'entre eux. Tu n'as pas le droit de laisser les deux vivre. À côté de toi. Dans le dos, le coulo a tché. Brian a mêlé au mêlé quoi, Brian a pris au bout. Après, mais va être mes moyens. Et mes dents avaient un ho-ho. Et il y a un ho-ho. Et le dragon, mais le poing a aimé. Et quand le dragon a aimé, on a des bois. Les deux femmes là qui vont décoller là, qui vont décoller là, tu as le droit de chasser l'une d'entre eux. Tu n'as pas le droit de laisser de chasser. Tu n'as pas le droit de chasser les deux. Tu vois, tu comprends bien. Tu comprends bien. Là, si tu as fait ça, tu auras ta vie. Sinon, si tu ne respectes pas cet engagement-là, tu vas te retrouver en arrière. Hein, tu dis, oh, oh, tu vas être pauvre plus que maintenant, là. Il suffit de respecter la loi. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. La féticheur. Oui. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je voudrais demander quelque chose à Vodunta. Oui. J'accepte tout ce qu'il veut me donner. Oui. Est-ce que le Dan ne peut pas laisser histoire de femme là pour que je reste avec ma femme? Non. Non. Il est en train de le faire. Fais-le à toi. Il est dedans. Il a dit non.
il va déconseiller. Au lieu qu'il va me donner d'autres femmes, de laisser la femme là, je vais rester avec ma femme. Tu n'as pas le droit de. Je dis quelque chose. Lui, il est là. Il est là pour te commander. Tu ne peux pas lui commander. Lui, il a déjà dit pour lui. C'est toi qui vas gérer ça. Il a dit. Là, où, tu veux mourir dans la pauvreté? Non. Tu ne veux pas ça? Je veux lui dire ça. Merci beaucoup. Oui. Tu auras les deux femmes. D'accord. L'une, tout à l'heure, là, tu vas voir. Tu vas dire à Vaudon Dan. Oui. Que je vais faire tout ce qu'il veut. Oui. Tout ce qu'il veut, là, je vais lui faire. Oui. Même au niveau des choix qu'il m'a dit. Oui. Que je veux faire les choix et chasser la femme. Oui. Que je veux. Oui. Respectez la loi. Merci beaucoup. Awaï, waï, lokolo, vivo, golo. Et là, maman, ma kia ou, je n'ai pas besoin de messie, a quitté pour les tabacs, mon goût, a fait tout. L'autre, c'est que je me suis dit, et il m'a dit, moi, pour m'y être, garde ton côté, maman dit là. Ouais. Et je fais quoi, là? Je fais quoi, là, ou tout, là, ni? Pourquoi tu te crains face, il m'a fait un livre? Eh oh! Je ne peux pas se faire, mais c'est moi, il est sous, là. Eh oh! Après, vous êtes sûr qu'il parle de mon rôle, moi, et j'ai plein de tes bains à bien. Les limons de qualité. D'accord. Tu vas mettre ça dans la jarre, je ne sais pas, là. C'est ça qui est à côté, là. La jarre teintée, là. Il y a ça, là. Faut pas que bête de qualité manque. Hein? À chaque fois. Tu vois qu'il manque. Qu'il manque. Les deux colis attachés, là. Hein? Dans cette nuit, là, tu vas déposer un auprès de mère. Tu vas déposer l'autre au père de Yak Nokwe. Tu comprendras? Je ferai ça. C'est ça. D'accord. Tu fais ça. Ça là. Ça, c'est ton destin. C'est ton destin. Ça doit rester à tous les matins. Avant de laver là, tu vas mettre ton pied gauche dessus. Avant d'aller aux douches. Il ne faut pas que personne sache. Même tes femmes. Et ce que tu as entendu ici là, il ne faut pas dire personne à tes femmes. D'accord. Il faut que ça reste dans vos. Oui. Entre vous. D'accord. Voici ta vie. Voici tes richesses. D'accord. C'est ta vie ça. Merci. Partez. Je peux. Prends ça. C'est votre dessin. C'est bien. Ça va s'améliorer. Mon garçon, ne t'inquiète pas. Je vais te caler le bout là. D'accord. Toi, tu prends ça. C'est ça. Tu peux rentrer dans le couvercle. C'est ça. Merci, prophète. Non, il n'y a pas. C'est notre boulot. Merci. Que Dieu te bénisse. Tout ce que vous avez dit est réel. Je passerai vous voir. Non, ça va, monsieur. Non, il peut pas vous. Merci, mon frère. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.